Hey. C'est Anaso Kat, donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo qui sera mon premier haul. Mais avant ça, je voudrais juste vous remercier pour mes 200 abonnés. Mais pour pas perdre de temps, vous avez qu'à cliquer ici, la vidéo viendra. Et donc on commence. Donc voilà mon premier sac, qui est celui de Sephora. J'en ai deux, j'en ai un petit et un grand. Je vais commencer par le petit. Alors j'ai un petit gloss comme ça qui fait deux couleurs, rose et plutôt beige, voilà comme ça. Et il y a pas de numéro, je savais pas, mais voilà comment est-ce qu'il se présente. J'avais vraiment hâte de l'essayer parce que dès que je l'ai acheté au magasin, il m'avait vraiment plu, et surtout que moi mes lèvres elles se gercent vite. Donc voilà pour cet article. Donc voilà pour ce gloss, mais franchement il m'avait vraiment attiré parce que l'ouverture, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais elle est vraiment très facile à ouvrir comme ça. Ah, je suis trompée de sens. Donc elle fait deux couleurs et si la lumière marche, voilà, il y a un peu de paillettes. Et franchement, lui, il m'a plu parce que puisqu'il fait beige et j'ai pas envie de mettre des choses qui se remarquent à l'école, et ben je crois que lui, je pourrais le mettre. Donc voilà pour ce gloss. Alors, je vais prendre... ça. Alors ça, ce sont des petites... comme des petites boules de bain qui s'éclatent dans le bain. Donc, il y a plusieurs... Ça sent vraiment très bon de là, je sens. Et il y a plusieurs couleurs, marron, orange, blanc, vert, bleu. Donc voilà, j'en ai pris deux parce que j'avais pas encore essayé ces boules de bain. Et surtout, elles sont en forme de cœur et j'adore les cœurs. Donc voilà pour ces deux articles. Donc voilà pour ce produit. Je vais vous le présenter, mais ne vous inquiétez pas, c'est pas pour moi, c'est pour ma mère. Parce que je vais pas mettre du maquillage. Donc c'est le numéro 8, donc c'est un gloss, voilà, je vais vous l'ouvrir pour vous montrer cette belle couleur. Ouais, ça fait vraiment une belle couleur. Ma mère en fait c'est celle qui a choisi bien sûr, car elle adore ce genre de couleur, voilà. Allez, on va passer. Donc voilà, toi c'est des petits gloss. Pour moi, cette fois, il y a trois couleurs et c'est en fait c'est de la collection de Noël que j'ai aussi acheté chez Sephora. Et cette fois-là, je vois que c'est une ouverture facile. Je suis contente parce que voilà. Alors, il y a trois couleurs. Il y a ce rose, comme ça, qui est le numéro 2. J'ai vraiment hâte de les utiliser parce que j'ai vu beaucoup de personnes qui utilisent des trucs comme ça. Voilà, et il y a un petit violet comme ça. Je crois que je vais plutôt le mettre à la maison ou des choses comme ça. C'est numéro 6. Ah, j'ai oublié de vous dire, c'est le Kiss Me. Voilà. Et j'en ai un autre sur la boîte à marquer que c'était une nouvelle teinte. Voilà, elle est beaucoup plus, elle est plus foncée que la première que je vous ai montrée. Et c'est le numéro fruit rouge. Ah, il n'y a pas de numéro. C'est marqué fruit rouge. Voilà. Donc voilà pour ces glosses. Donc juste pour vous dire que avant j'avais déjà acheté des petits glosses comme ça. Donc lui c'est mon premier. Qui était de la collection de Noël bien sûr, et lui c'était le numéro 9 Magic Dessert, sauf que lui il a des paillettes, franchement je vous le conseille vraiment, surtout pour les débutantes par exemple, ça fait du bien surtout quand on met dans ses lèvres parce que on dirait un peu comme de la crème, c'est vraiment très bien à étaler
et j'ai vraiment hâte de les essayer. Donc on continue toujours avec Sephora, mais cette fois on est passé au deuxième grand sac. Mais cette fois je vais prendre tout ce qui est à moi parce qu'après ça sera tous les cadeaux de ma tante. Donc je crois que ça vous connaissez très bien, c'est un bain douche moussant à la fraise. Voilà, et j'en ai pris deux. J'ai pris aussi le bain douche moussant, l'Elite Snow. Donc il est donc au début j'ai cru que c'était le dessin qui était brillant, mais en fait non, dès que j'ai tourné c'était le gel qui était brillant. Et je sais pas si vous connaissez, mais moi j'adore les paillettes et franchement j'étais hyper contente dès qu'il y avait des paillettes. Voilà, et c'est aussi de la collection hiver. Donc voilà pour ces deux gels douche moussants. On va passer à mon dernier article pour moi, bien sûr, Sephora. Alors ça, c'est des crèmes de douche. 15 capsules de crème de douche très nourrissante avec 50% de crème hydratante. Donc moi d'abord, j'ai jamais essayé des petites capsules comme ça. Donc j'ai voulu en essayer 15. Donc franchement, je sais pas du tout comment ça sera. Je vous en dirai des nouvelles. Voilà, on va passer cette fois aux objets de ma mère, de ma tante, pardon. Alors, il y a ça, franchement, que même ma mère avait adoré. Donc, en fait, je vais vous expliquer. À ce qui paraît, c'est tout nouveau. Donc, c'est une éponge manche ergo 2 en 1. Donc, en fait, au lieu, par exemple, que vous faites du fond de teint avec une éponge ou bien avec vos mains, et ben, par exemple, des fois, vos doigts, il y a peut-être des microbes et tout, vous avez une petite manche, voilà, comme ça. Et en plus, c'est pour fond de teint liquide ou compact. Donc, c'est ce que ma mère a aimé. Voilà. Ensuite, il y a des ongles, enfin des nail patch art. J'en ai pris trois parce que ma tante adore les ongles comme ça. Voilà, donc vous en avez un. Je crois que c'est des choses de girafe où il y a plusieurs couleurs et des paillettes bien sûr. Vous avez je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est noir et blanc. Ensuite, vous en avez un autre qui est zébré avec des paillettes. Voilà. On va passer à l'un des derniers articles. C'est l'un des derniers. Donc voilà. C'est aussi c'est comme des faux ongles. Sauf que cette fois, voilà, c'est de cette matière. Parce que ma tante adore cette matière, donc on a trouvé ça en ongles, donc on a vraiment aimé. Et voilà comment il faut le mettre. Ce qui est bien, c'est qu'on peut les couper. Donc voilà pour ces faux ongles. On reste toujours avec les ongles cette fois. C'est un aimant. Ah oui, j'ai oublié parce que lui, il est pour moi cette fois. C'est un aimant où on peut faire en horizontal, vertical et en diagonale. Et si vous avez des exemples. Donc là, j'ai vraiment hâte de l'essayer parce que j'adore tout ce qui est vernis, ongles, etc. Et enfin, ça, c'est une palette. Je crois que c'est du fard à paupières. Je ne connais pas vraiment trop. Et c'est l'édition illimitée. Je vais vous l'ouvrir parce que ma tante. Je pense qu'elle l'a déjà ce fard à paupières, mais ma mère aussi, elle aime les fards à paupières comme ça. Ah, j'ai hâte de l'ouvrir. Ah, je sais pas comment c'est. Oh, c'est magnifique. Regardez, on dirait un bijou. Et il y a plusieurs couleurs. Il y a du marron, bleu, gris, marron clair, beige, orange. Et cette petite couleur. Il y a un miroir. Donc voilà, c'est le Chourouk for Sephora. Donc voilà, c'était le dernier produit que j'ai acheté chez Sephora. On passe à un autre sac. Donc cette fois, on est passé sur un autre magasin. Mais normalement, vous connaissez, c'est le magasin Calzedonia. Et cette fois, en fait, il y avait des articles soldés et d'autres non. Et eux,
ils n'étaient pas soldés. Donc en fait, c'est décollant. Et franchement, j'ai adoré ce style parce que d'abord, j'adore. Où il y a les chats et tout ce qui est imprimé. Et surtout, c'est du coton. Et ma mère adore le coton. Surtout, on le sent bien parce que c'est tout doux. Et voilà. Et c'est tout lisse, j'adore. C'est 100% coton. Et c'est du 4-6 ans pour ma sœur. Voilà. Ensuite, il y a une autre chose, cette fois qui est pour moi, du 10-13 ans. Et j'adore parce que c'est imprimé... avec des étoiles, comme ça. Et franchement, j'adore cette matière. Dommage que vous ne pouvez pas toucher. Mais franchement, moi, je vous le conseille vraiment, ce magasin. Parce que un jour, on avait déjà essayé. Et franchement, il s'est même pas encore déchiré. Il ne s'est rien passé. Donc, les collants, je vous les conseille. Ensuite, il y a des autres choses. Cette fois, ce sont des chaussettes. Enfin, je ne crois pas que ça va trop vous intéresser. Mais voilà. Je sais même pas si c'est ma taille en plus. Ah oui, c'est ma taille. Ouais, donc voilà. Ce que j'ai aimé, c'est la fin. C'est un peu transparent ici. Voilà, et franchement, c'est vraiment très lisse. On sent encore le coton et tout. Donc voilà pour ces chaussettes. Je vais passer cette fois un autre pantalon qui est à moi. Et enfin, vous ne connaissez pas trop, mais j'aime bien ce style. Voilà, où ici il y a comme du faux cuir et tout. Voilà. Donc ça, c'est ma taille. Et c'est lui, il était soldé en tout cas. Et il y a un autre pantalon de ma soeur. Lui, j'ai voulu l'avoir, mais il n'y avait pas ma taille. Il est aussi soldé, donc voilà comment il est. Voilà, les poches, elles sont en cuir. Et donc, c'est tout. Pour ce magasin Calzedonia. Donc voilà, cette fois, je suis pas sûre que vous connaissez ce magasin, mais il s'appelle Cool Cat. Donc franchement, c'est exactement ce genre de style que j'adore. Et vraiment, je vous le conseille vraiment parce que j'ai déjà acheté des habits de ce genre et je vous expliquerai peut-être dans une autre vidéo. Donc voilà, c'est un pull qui est à ma soeur. Il est soldé, bien sûr. Voilà, le derrière, c'est plus long. C'est plus long que devant. Et ici, il y a un emoji avec un cœur. Ici, il y a marqué XOXO. Donc moi, j'ai voulu l'avoir, mais il n'y avait pas ma taille. Donc franchement, c'est dommage. Mais c'est pas grave. Ensuite, il y a une autre robe pour ma sœur. Voilà comment elle se présente. Elle est vraiment très belle parce que j'adore cette couleur. Et surtout ici, quand c'est élastique et cette petite fermeture. Ils aiment bien mettre les fermetures... j'ai remarqué dans leurs habits et c'est ce que j'ai aimé chez eux. Donc voilà, et j'ai pris exactement la même pour moi. Donc j'étais contente d'avoir enfin quelque chose. Voilà, il y a aussi la fermeture, cette fois c'est en beige. Donc voilà, c'est tout pour Cool Cat et à bientôt. Mais surtout pour la matière, c'est vraiment très bien. Et le prix, c'est... Il était à 35 euros, il est à moins 50. Et les prix, franchement, ils sont vraiment pas très chers. Donc voilà pour Cool Cat. Donc si vous avez vu là ma tête, enfin je sais pas si vous avez remarqué, mais franchement, de là ça sent. Et enfin, vous allez me dire encore, j'ai quoi avec le bain? Mais oui, en fait, c'est ça. En fait, chez moi, on a plusieurs collections de bains. Donc oui, je sais de petits savons et tout. Parce que moi, j'adore le bain. Et voilà, c'est pas poussé quand j'adore le faire. Allez, on va commencer par... juste en touchant, je sais que c'est la boule. J'ai eu qu'une seule boule, donc voilà. C'est le Shoot for the Stars, comme ça. Oh, ça sent vraiment très bon. J'ai peur de la faire tomber, voilà. Donc il y a du jaune, il y a du bleu ici, il y a une étoile filante toute blanche, il y a des petites taches. C'est pas possible, mais l'odeur, je sais pas y mettre quoi dedans, mais voilà. Donc lui, c'était la boule. Parce que j'ai remarqué que plusieurs personnes l'ont acheté, mais j'ai pas voulu avoir le même. Donc voilà pour cette boule. Ensuite, donc cette fois, c'est le Granit Tac.
Deep Bubbles Bar, une pièce encore. Oh, j'adore. Donc en vrai c'est comme du, enfin je sais pas trop comment vous expliquer, mais il y a plusieurs couleurs. D'abord il y a du vert, du rose, du violet, du bleu. Donc voilà, en vrai c'est comme en fait du savon. En fait, c'est comme si on l'avait fait cuire, comme un gâteau en fait. Et c'est du savon en fait, on peut frotter dans le bain et tout. Donc, lui, j'ai vraiment adoré, c'était les couleurs qui m'avaient attirée. Donc voilà pour cette pâte, mais elle est dure bien sûr. Ensuite, on va passer aux autres choses. Donc cette fois, c'est ça donc. Ça, c'est pas... ça aussi c'est saldé bien sûr. C'est... ben, y a pas marqué le... ah ben c'est Snowman. Donc en fait c'est comme du savon par exemple. On peut... c'est... en fait c'est comme des... c'est de la pâte. C'est toute molle. On peut l'utiliser pour les cheveux. Y a du orange, du noir, du blanc. Donc voilà, en plus ce que j'ai aimé c'est qu'on pouvait par exemple la modeler, par exemple dans les savons on peut pas les modeler etc, donc ça pour les cheveux je vous le conseille vraiment. Donc je sais pas ce que... désolée mais là j'ai eu vraiment un gros fou rire, désolée parce que je sais pas ce qui m'est arrivé, mais voilà, on revient. Alors ça c'est un parsley prodige. Donc en fait c'est comme un savon qui à l'aloe vera bien sûr, c'est pour ça qu'il est vert. Il a une odeur, enfin je dis pas qu'elle sent pas très bon, mais on le sent bien. Donc puisque c'est à l'aloe vera, ça désinfecte très bien pour les mains, le corps, etc. Donc franchement j'ai bien aimé ce produit. Ensuite il me reste plus que ça. C'est un savon. Je sais même plus pour... je crois que c'est pour les boutons, etc. Donc, ah oui, c'est vrai, parce que l'année dernière, j'avais utilisé. Il m'avait vraiment, mais vraiment très, très bien servi. Pour ceux qui ont des boutons, enfin des petits boutons, etc. Je vous le conseille, mais vraiment. En plus, vous pouvez le mettre la nuit en le mettant sur vous, etc. Mais franchement, je vous le conseille vraiment. Donc, maintenant, il me reste encore un produit qui est encore, je crois, pour les boutons. Oui, donc c'est un soin anti-boutons. Attaque les boutons avec efficacité redoutable. Appliquez un peu de ce gel à l'arbre, au thé et à la mélisse. Donc, je ne vais pas tout vous lire, c'est long. Donc en fait, ce que j'ai compris, il faut juste appuyer sur cette crème et on étale sur le visage. Donc j'ai hâte de vous le dire et je vous en dirai des nouvelles encore. Donc merci à tous et on se retrouve pour une... la fin de ma vidéo et au revoir.